Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit papa express. Voilà, de ce très joli petit dessous de verre, en fonction de la taille que vous aurez choisi, de bol, comme moi ici. Hop, voyez. Voilà. Il peut servir aussi de sous-vase. Très simple, très rapide à faire. Il vous permet d'utiliser vos restes de laine ou de coton. Moi ici, je l'ai fait en coton. Voilà. Donc, je vous donne la dimension. En ce qui me concerne, d'une coquille à l'autre, nous sommes sur 16 cm et demi à peu près. Si on se met bien au milieu, oui, 16 cm. Voilà. Donc, très rapide, très facile. Ça sent bon le printemps avec ses couleurs pastel. Bah écoutez, voilà, je vous dis à tout de suite pour les explications. J'espère que ce papa va vous plaire autant qu'à moi. Bisous. Donc, pour réaliser ce très joli petit ouvrage et très 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 rapide ouvrage, vous aurez besoin donc de vos restes de pelote. Donc là, moi, j'ai opté pour des restes de coton, dans des couleurs un peu pastel pour commencer à penser au printemps. Vous aurez besoin d'une aiguille, d'une paire de ciseaux pour couper vos fils, d'un crochet adapté à la taille de votre fil. Moi ici, c'est un crochet numéro 4. Et le coton, c'est le coton fil 4 de chez Fildar. Voilà, écoutez, il ne faut pas grand-chose de plus. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc, on va commencer par faire un nœud coulant. On va passer le crochet à l'intérieur. On va aller chercher le fil. On le ramène. Et là, on a deux brins ici, vous voyez. On va venir travailler autour de ces deux brins. Donc là, on va faire une maille en l'air pour bloquer. Et là, on va faire 12 demi-brides. Une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Après, on va venir attraper notre fil de départ. On va tirer pour fermer notre cercle. On va venir piquer dans la première demi-bride du rang et on fait une maille coulée. Une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Au même endroit, on vient faire deux demi-brides. Dans la bride suivante, demi-bride suivante, deux demi-brides. Une, deux. Dans la suivante, deux demi-brides. Et donc, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Dans chaque demi-bride que l'on rencontre, on va venir faire une augmentation, donc demi-bride et demi-bride au même endroit. Vous devez terminer le rang donc avec 24 demi-brides et 24. Je termine mon rang par une maille coulée dans la première demi-bride du rang, une maille en l'air. On fait une demi-bride au même endroit. Dans la suivante, une augmentation, c'est-à-dire deux demi-brides au même endroit. Dans la suivante, une demi-bride. Dans celle d'après, une augmentation.
une demi-bride. Dans celle d'après, une augmentation. Et donc ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Une demi-bride simple, suivie d'une augmentation. Voilà, je finis mon rang avec 36 demi-brides. On vient piquer dans la première demi-bride du rang. On fait une maille coulée. Maille en l'air, au même endroit, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Et dans celle d'après, une augmentation. Donc une et deux demi-brides au même endroit. Une augmentation. Donc deux demi-brides au même endroit. Une augmentation. Une augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Une augmentation. Donc là, je termine mon rang avec 48 demi-brides. Comme à chaque rang, on termine par une maille coulée dans la première demi-bride du rang. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être de continuer jusqu'à ce que vous ayez atteint la circonférence et le diamètre qui vous convient. Donc moi, par exemple, voyez, pour ce très joli bol, hop, c'est encore un peu juste. Vous voyez, on ne le voit pas. Donc je vais continuer quelques rangs. Donc là, j'ai fait demi-bride, demi-bride, augmentation. Donc sur le rang d'après, je vais faire 3 demi-brides, une augmentation. Sur le rang d'après, si besoin, 4 demi-brides, une augmentation. Donc ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez atteint la taille qui vous convient. Donc j'avance de mon côté, je vous laisse avancer, on se retrouve quand c'est fait. Alors je vous donne juste là, pour l'instant, une idée de la taille et du diamètre. Je suis sur 9,5 cm. Allez, j'avance et on se retrouve tout de suite. Donc, je termine mon rang ici. Je vais en rester là, finalement. Vous voyez, donc je pose. On dépasse un tout petit peu parce que là, on va venir faire une bordure sur le côté. Puis là, le bol est vraiment très grand, hein. Bon, j'ai mis une petite pelote à l'intérieur. Pardon, pardon, ça remue. Hop. Donc là, moi, je vais en rester là. Vous continuez, hein, en fonction de la destination. Si c'est un bol, si c'est un verre, éventuellement peut-être un petit vase avec des jolies fleurs à l'intérieur. Donc là, je suis sur 11,5 cm. J'ai donc fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs et j'ai 57 mailles. 57 mailles. Alors, dans l'idéal, il faudrait que vous ayez, comme moi, un multiple de 3. Voilà. Donc une fois que vous avez terminé, vous faites deux mailles en l'air. Vous coupez le fil. Vous venez fermer. Oups. Ah ben, voilà. Il s'est coupé. On va venir le couper à ras. Voilà.
Là, le fil du milieu, pareil, avec une aiguille, vous venez le rentrer hein, en faisant des allers-retours. Je vais le faire. Donc, tout simplement, vous venez faire des allers-retours. Alors, c'est un ouvrage qui va normalement ne pas être soumis à tension ou manipulé. Hein, donc, il n'y a pas besoin de sécuriser outre mesure. Hein, c'est pas comme un pull ou un manteau que vous allez porter. Voilà, il suffit juste de rentrer votre fil. Hop, comme ceci, sur l'envers évidemment. Hop, voilà. Et là, vous pouvez couper comme ceci. Voilà. Alors du coup, là, je vais venir me repliquer ici. Sinon, ça va pas faire très beau. Hop. Vous prenez un fil. Donc, d'une autre couleur. Donc là, je vais prendre du vert. Donc, on va venir s'ancrer. Ici. On fait un nœud. Un deuxième. On viendra le rentrer après. Donc on replique au même endroit. Et on va faire une, deux, trois, quatre mailles en l'air qui équivalent à une bride plus une maille de séparation au même endroit. Une bride. On saute une, deux mailles dans la troisième. Une bride, une maille en l'air. Une bride. On saute une, deux mailles dans la troisième. On recommence. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Et ça, c'est ce que vous allez répéter tout le tour du rang. Donc voilà ce que vous obtenez. On vient. Hop. Piquer dans la une, deux, troisième maille en l'air de départ. On fait notre maille coulée, une, deux mailles en l'air, on coupe le fil, là. Et donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Est-ce que je peux compter un deux fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, on va venir changer de couleur. On va aller s'ancrer. Hop, dans un V, alors peu importe. On va faire un nœud. Voilà. On va faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Au même endroit, on va faire trois brides.
Une, deux et trois. Dans le V suivant, une maille serrée. Dans le V d'après, on va faire six brides. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. On passe au V suivant et on fait une maille serrée. Dans le suivant, 6 brides, 1, 2, 3, 4, 5 6, dans le V suivant, une maille serrée. Et donc ça, c'est ce que vous allez répéter tout le tour. On se retrouve ici. Voilà, j'arrive à la fin. Et donc je vais venir piquer dans le dernier V et je vais faire les trois brides qui me manquent. Donc une, deux et trois. Et je viens piquer dans la troisième maille en l'air de départ, enfin dans la bride de départ. Et voilà ce que cela nous donne. Donc vous allez faire une, deux mailles en l'air. On coupe le fil. On serre, vous prenez une aiguille, on va venir rentrer notre fil comme ceci, touc touc touc, jusque-là. Hop, on va le repasser ici. On vient faire un nœud. Là. Et on peut couper. Voilà. Alors, voyons ce que ça donne. Donc. Parfait. Donc, vous voyez, là, on a juste le vert qui dépasse avec la petite. Hop, alors attendez, je vais... Hop, donc voilà ce que ça nous donne. Et bien voilà, ce petit pas-à-pas très rapide est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Papa Crochette.